On va poursuivre le stream avec un peu de Death Road to Canada, parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, et parce que ça se prête très bien à la thématique du jour, qui est la stupidité absolue. On va démarrer une nouvelle partie. Alors... C'est tout, j'ai pas plus de caractère que ça ? Bah écoute, hein. Vas-y, on va jouer avec Madingue. J'ai même pas fait mon propre caractère. Madingue n'est pas là aujourd'hui. Hop. New game. Leader. Madingue. Petit, on va mettre. Vas-y, on va mettre Ken Browning avec les cheveux verts. Game mode. Ça, je me souvenais plus, ça. Yep. Vas-y, c'est parti. On a entendu des rumeurs comme quoi le Canada c'était un endroit safe. Et sans aucun zombie, sans aucune menace zombie. Vu qu'il n'y a rien à gagner à attendre en Floride, il a décidé de braver la route de la mort et de voyager jusqu'au nord. Vas-y, c'est parti. Il est fun ce petit jeu. Alors, pour démarrer l'aventure, le groupe décide de choper quelques provisions. Depuis une localisation qui est assez proche. Vas-y, on va aller au Yalmart. Ok. C'est parti. Alors le but évidemment c'est pas de tuer forcément tout le monde parce qu'ils sont beaucoup trop les zombies. De choper les provisions. Enfin, de choper tout ce qu'on peut choper en fait. Au début du jeu c'est relativement facile parce que... comment on fait pour choper ça? Ah. Oh c'est un peu long ça. Ok, ils sont un peu tous sur moi, donc on va continuer ailleurs. Je suis pas fan de cette arme en fait. Ouais, ça c'est bien mieux. Oh, il y a de l'essence, c'est bon ça. Comment ça va être un peu fatigué, madame là. On a trouvé plein de trucs, mais. Oh, on a trouvé un gun aussi. Que je puisse sortir. Ok, pour l'instant ça va. Dit-il avant de se ramasser des ennemis à l'entrée. J'ai été trop gourmand là. C'est une éternité que j'ai pas joué au jeu. Hein, aussi. Hop, 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 hop. Casse-toi. Quoi par là? Une grosse crotte. Je crois qu'on peut fouiller la toilette. Ou on peut juste les buter aussi. Ouais, cassos. Je vois ça. Voilà des munitions. Porte aussi ici. Ouais.
Non, on va se casser. On va se casser parce que là, ça commence à devenir un poil dangereux. Un petit poil. Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser à l'extérieur? Pas vraiment. Ramène-toi! Mettez un peu de temps là. 4 de bouffe, 35 d'essence, 2 pour soigner et des munitions. Plutôt pas mal là pour une première sortie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Death Road to Canada, c'est comme vous pouvez voir un jeu d'action à troisième personne, enfin style pixel art à l'ancienne en 2D, où vous allez progresser dans un monde généré de façon aléatoire. Et le but c'est d'atteindre le Canada. Alors, et en fait, durant votre progression, il y a pas mal d'événements qui se passent. Ok. Bouffer, ben on s'est reposé. Il prend super santé. Alors, le groupe roule jusqu'à une ville où il commence à faire sombre, en essayant de ne pas perdre la notion du temps. Vas-y, au sort de fourniture. Le problème, c'est que si on est proche du coucher de soleil. Et lorsque la nuit tombe, les ennemis, les zombies s'excitent pas mal généralement. Juste pas les énerver. Il y a rien. On va aller dans la baraque. Ah, des munitions. Que dalle. Pour l'instant, c'est pas super rentable. Ah, il y a un truc là-dedans. Ok, on trouve beaucoup de munitions, mais. Juste la bouffe que j'aimerais trouver, moi. Ah, il suffisait de demander. Ouh, plus 3 de bouffe, c'est bon ça. Là. Alors l'autre truc aussi, évidemment, je cherche pas à attaquer les ennemis parce que vous n'avez pas une stamina infinie. Comme vous avez pu le voir, mon personnage s'est rapidement fatigué après avoir attaqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut attaquer seulement lorsque c'est nécessaire. Pédale. Peut-être un truc là. Non, que dalle. Et il commence un peu à y avoir pas mal de zombies là. Ok. Alors, il y a quoi ici? Le bruit parce que... J'ai vraiment pas envie de ramasser tout le monde sur la gueule là. Elles sont jolies vos fournitures, mais y a pas grand chose dedans. Ah, y a rien d'autre ici. Je pense qu'on va se casser parce que c'est pas super rentable. On a beaucoup de munitions, mais on a de la bouffe, ça va. Alors, la voiture roule sans problème, mais il y a un indicateur qui commence à clignoter sur le tableau de bord. Vas-y, Aken va inspecter ça. Ok, il a réussi à fixer le problème. Parfait. Ok.
Ok, on a consommé de la bouffe. Alors, Madame a fait une erreur en scrutant une ville. Et il s'est fait encercler par un large groupe de zombies sans être armé. Oh. Vas-y, your parkour abilities. Ok. Ouais, malheureusement, il a perdu un peu de vie. Va te soigner, ma dingue. Voilà, donc à l'extérieur du Canada, la plupart de des sociétés de la civilisation ont été détruites. On va aller visiter un camp de traders. C'est nouveau ça, c'est la première fois que je vois de la pluie. Ah, là, pas moyen que je te donne de la bouffe. Mais qui vend des accessoires d'animé, je n'en veux pas moi de tes trucs. M'intéresse pas tout ça. Je peux plus leur voler des trucs comme avant. Dommage. Ouais, faut que j'équipe une deuxième arme. Hey, on a rencontré Petit Barbu. Le plaisir de voir une face familière. Il est en train de manger une candy bar, ok. Donc il est civilisé et c'est un ami des chiens. On va recruter Petit Barbu dans l'équipe. C'est parti. Je sais plus combien on peut être maximum, j'ai oublié. 3 ou 4. Ah ouais, shit, on s'est fait assiéger. Ouais. Donc on s'est fait assiéger par une horde de zombies, donc il va falloir survivre. Ah bah c'est parti hein. Survivre dans le jeu c'est pas forcément très facile. Si je les loupe ça va vraiment pas le faire par contre. J'aime pas me faire encercler. On fait pour changer d'arme. Oh, c'est pas bon. Mais je suis mort. La dingue est mort. Ok, génial. Donc on est tout seul maintenant. Petit Barbu et tout ça, tout le monde s'est fait défoncer la gueule. Enfin, se faire assiéger aussitôt dans la partie, c'est pas génial. Mais bon, c'est les aléas de l'aléatoire. Hein. Petit Barbu se sent inspiré après avoir survécu à une telle situation. Vas-y, gagne de la force. Zombo points are full. Je sais pas ce que c'est ça, mais vas-y. On va aller siphonner le gaz. Donc on a beaucoup d'essence. On est vraiment pas en bonne santé. Et le moral va pas fort non plus. Vas-y, on va aller dans la... Ouais, les zombies sont irrités en plus, ça va pas me plaire. Sérieux, j'ai pas ramassé les munitions sur les autres, du coup on a tout paumé. Ouais, ça sent la fin. Ça sent la fin d'un run. Ah,
Les zombies sont assez irrités, comme vous pouvez voir. Plein de bouffe. Ouais, on va battre en aluminium, ce sera nettement plus costaud. Super fan dans les toilettes. On va se casser d'ici. Un peu de bouffe. Ouais, je sens que c'est la fin là. Peut-être pas, s'ils sont pas tous rentrés, je devrais pouvoir m'en sortir. Quelqu'un a trouvé beaucoup de bouffe. Beaucoup, beaucoup de bouffe. C'est le paradis de la bouffe, cette baraque. La question, ça va être de savoir si je peux m'en sortir. Sens dans les toilettes, me demandez pas pourquoi. Laisse-toi, faut que je me casse maintenant. Bon, un petit peu grignoter l'épaule là, je pense. On a trouvé 11 de bouffe, ce qui est beaucoup pour un endroit. Ok, il s'est soigné un peu. Barbu garde l'attitude positive. Ouais, je sais qu'il faut qu'on embauche du monde, mais il faudrait qu'on rencontre du monde déjà. Ok, on trouve un endroit où s'arrêter, mais ça veut. Il y a une odeur horrible, donc on va continuer de rouler sans s'endormir. Petit Barbu est fatigué, ce que je peux tout à fait comprendre. Deux jours sans dormir, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vas-y, on va essayer d'éternuer. Son moral a diminué visiblement. Alors, va falloir s'arrêter encore. La librairie, je pense qu'il va y avoir grand chose d'intéressant. On va continuer de rouler. Gym apartment, ouais, vas-y. C'est le matin, les zombies sont calmes. Je sais pas combien de temps je vais survivre comme ça. Soigner, c'est cool. Là, il n'y a rien d'autre. Des munitions. Oubliez-moi, les zombies. Oubliez-moi deux secondes. Des munitions. Grouille-toi. On esquive tout ça. Ok, ça a l'air un peu occupé vers la sortie là. Ah ben voilà le gym. La salle de gym. Oui, ça sent la fin là.
L'essence dans les toilettes, un classique. Ouais. Je sais pas combien de temps je survis, mais ça sent vraiment pas bon. Non, on se casse, je veux crever sinon. On trouve personne, ça va. Ah bon, on a trouvé Sangasub, cool. On va te recruter. Il nous faut des armes, il nous faut des. De quoi se soigner. On va envoyer Sangasub barricader la baraque. Ok, on consomme du gaz, de la bouffe. La voiture, ça a pas l'air d'aller par contre. On voit un nuage bizarre, ça peut être de la pluie. Il pleut et ça fait baisser le moral. Je me souviens plus qu'il y avait la pluie à l'époque dans le jeu. Ok, la voiture est morte, donc ça c'est vraiment pas bon. Ok, donc visiblement on a des accidents sur la route. Les deux sont blessés. Après une longue marche, le groupe décide de s'installer dans un camp. Malheureusement, le groupe est assailli par des moustiques durant la nuit et ils ne peuvent pas dormir. Ok, c'est vraiment de pire en pire. Et je sais, on n'a pas de provision médicale. Alors, pendant qu'on marche dans les bois, Sengasod ne paye pas attention. Où est-ce qu'elle met les pieds? Oh, elle tombe dans une espèce de. D'une mare d'eau. Elle perd plein de trucs. On perd de la bouffe et on perd des munitions. Et le moral descend. C'est fantastique! Ok, donc il y a un groupe de zombies, mais ils sont très agressifs. Et le groupe est très large aussi. Donc on arrive à rejoindre la bagnole sans se faire buter. Amène-toi, crève pas derrière. Elle est où la caisse? Elle est où la caisse? Et elle est encore vivante. Ah putain, je suis mort. Comment tu vas réussir à t'en sortir? Ok, c'est la fin du voyage. C'était... voilà, c'était moche. Alors, le leader. Il m'engoule avec le leader. Et on va prendre... Alesco. Parti. Ouais, Dimorgou, j'ai entendu les rumeurs que le Canada c'était bien. C'est parti. En haute. On va aller au Yalmart. Alors, on va rentrer dans le supermarché. Quoi ton arme toi? T'as pas une arme exceptionnelle, dit le mangou, je suis pas fan. Ok. Il défonce bien tout avec sa hache derrière. M'énerve pas trop mec. Fou. Il nous reste de l'énergie pour sortir d'ici. Pas une autre arme? Non. J'aimerais bien aller là-haut, mais si vous ramenez tous là, ça va pas le faire.
Ouais, la droite, c'est pas grave. Y'a rien. On va récupérer la bouffe. Shit. Oh, y'a plein de bouffe ici. Il y a un peu d'essence aussi. En fait, c'est. Mangou, il attaque avec ses points là, c'est un moine et tout. Un moine puissant. J'aime beaucoup le sac à dos rouge d'Aïdi Mangou, il y a vraiment la classe. Ouais, il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait ici non plus, donc on va se casser. C'est nous sortir. Ramène-toi mec, ramène-toi, pas besoin de tous les massacrer. On n'est pas vraiment gagnant au change pour l'instant. Allez. 7 de bouffe, 33 de gaz, munitions et 33 zombies tués. Voilà, on a mangé. On perd du gaz, c'est normal. Et les mangos qui s'impatientent d'arriver, on n'y est pas encore. Ouais, vas-y. Il m'en goûte à gagner des compétences en réparation d'auto. Pourquoi pas? Alors, ah, les zombies sont irrités. Allez, fais-nous atterrir juste devant les zombies, c'est super sympa. Les zombies irrités, je suis pas fan. Mon esco il est pas en bon état, j'aurais peut-être pas dû l'emmener avec moi en fait. Mission. Ah, y a plein de trucs cool. Ce qui m'inquiète c'est comment on va ressortir d'ici. Des détritus. Truc là-bas, peut-être ça toi. Voilà. Alors, y a personne. Ah, y a personne, y a rien, je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut sortir. On peut sortir. Alors, ramène-toi, arrête d'attaquer tout le monde. Un supermarché, allez fouiller mec. Y'a pas de supermarché? Ah il est là. Un peu de bouffe. Ah, y a un peu de bouffe là aussi, mais on a bien protégé la bouffe. Sauce. Vas-y, on retourne à la bagnole. Ok. Cette de bouffe, c'est quand même pas mal. Ah ouais, il y a le banco qui nous rappelle qu'il faut fouiller toutes les toilettes. On voyait des morgoules siphonner le gaz. 47 d'essence. On a énormément d'essence. Par contre, il nous faut des soins. Le groupe est pris en embuscade par un homme qui crie.
Onesco va le calmer direct. Voilà. Onesco rush le man, rush le mec, et le mec KO. L'homme n'a même pas eu le temps de réagir. Du coup, c'est bien, ça a augmenté le moral de Onesco. On a trouvé de la bouffe, des munitions. Et ils ont rajouté pas mal de petits événements comme ça depuis la dernière fois que j'y ai joué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi à ce jeu. On va ignorer les traders, j'ai pas de bouffe à échanger. On a rencontré Aken Browning, qu'on va évidemment recruter. Il est un mécanicien. Ah putain, c'est évidemment assiégé par des zombies. Je me souvenais plus que t'avais des zombies qui t'assiégeaient aussi. Ouais, tu peux pas rester, toi. C'est ça qui m'emmerde, en fait. J'espère qu'on va pas perdre Onesco. Pas dedans, toi. Il est deep. Ça m'inquiète un peu le fait que c'est... Aken, t'as le droit de participer, mec, hein. Mec, soit on attaque ensemble, soit on attaque pas ensemble, mais décidez-vous. On attaque à gauche. Ramène-toi. Ramenez-vous. Ok, on peut s'échapper. Échappez-vous, les mecs. Échappez-vous. 22 zombies détruits. On s'en est bien mieux sortis. Quel qui j'ai pas envie. Ouais, mais... Peut-être crever à cause de ça. On a failli crever. Alors... le moral et plus de vie. Faut choisir une récompense. Donc soit je peux apprendre une compétence au choix, soit je peux avoir du... moral et une compétence au choix, soit du moral et un peu plus de vie. Utiliser du moral et un peu plus de vie. Axolot, zombie Obama, ok, d'accord. Alors, on décide de camper près d'un golf. Il Morgul jette un coup d'œil à la fenêtre et voit un large groupe de zombies qui s'approche. Shooter des balles de golf sur les zombies, vas-y. Ça n'a pas suffi. Onesco est mort, malheureusement. On aurait dû s'enfuir. Dommage, Onesco était quand même assez balèze au corps à corps. Stein Roll of Toilet Paper. Ok, donc visiblement on a. On a trouvé un rouleau de papier toilette et c'est très très précieux. Ok. Ils ont partagé le papier toilette, c'était pas génial, tout le monde s'est engueulé. Ça. Ok, donc les deux ils commencent à s'engueuler, ce qui est pas génial. Les Morgul et Aken Browning s'engueulent et on arrive sur un groupe de zombies qui sont irrités. C'est le matin, mais ils sont très irrités. Alors, vous engueulez pas là. Batte de golf, club de golf, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ok, pharmacie est là. Ils sont assez irrités. Un seul, c'est tout? Un soin? Et moyen quand même. Hein.
Ramène-toi, Ken, ramène-toi. Ne traîne pas derrière. C'est pas une bonne idée. Il y a une maison à visiter, là, j'irai bien faire un tour. Ils sont vraiment très irrités, les zombies. Le droit de participer avec eux, pas un problème. Un peu de bouffe. Du coup, c'est de l'essence là-dedans. Ah non, des munitions. Ramène-toi, ramène-toi. Pas qu'on reste là. Alors vraiment pas. Mais ils sont combien là? Ok, j'ai pété mon club de golf. Je trouve de la bouffe, c'est plutôt cool. Elle se débrouille bien avec ses points, dis-moi, vas-y. Des points d'acier, ce qui est plutôt pratique. Ah, des munitions, mais il faudrait des soins en fait. On va fouiller la dernière pièce. Pardon, l'avant-dernière pièce. Il n'y a que dalle ici, vas-y, casse-toi. Je pense qu'il est temps de partir. En explosant deux petits zombies au passage. On a de quoi te soigner, mais je sais plus s'ils savent se soigner. Si, ils savent se soigner. Ok. Teddy Morgul a récupéré toute sa vie. Vas-y, mange des marshmallows. Plus deux de bouffe. On a trouvé Sengaseb. On va évidemment la recruter. C'est parti. Avec une Browning qui voit encore un nuage bizarre. Ça peut être un cul, ça peut être son père, ou ça peut être juste un nuage. On va répondre a butt. Ken Browning qui pense que les aliens sont responsables pour l'apparition des zombies. Vas-y, on va aller dans le complexe du gros bureau. Ah, les zombies sont encore irrités, ça m'agace un peu. Grand club de golf, toi. Un parapluie, toi, pour attaquer, intéressant. Pas beaucoup de dégâts avec ça, hein. Mais vous êtes un peu nombreux aussi, je suis pas fan. Il n'y a rien ici. Que dalle dans vos bureaux là, je suis pas fan du tout. Pourquoi on a visité cet endroit, je sais pas. Je peux pas interagir avec les ordinateurs ou la flotte. Plus on s'enfonce. Oh, ok, machine gun. Mitraillette plutôt. Dis-moi, pourquoi s'encombrer d'une batte quand on a des points? C'est pas faux. Tu te débrouilles mieux avec tes points en fait. Alors défonce littéralement la gueule. Un truc là-dedans? Que dalle. Ah, ça prend trois coups, mais. Je commence un peu fatigué, ce qui m'embête un peu.
Et... ouch. De l'essence dans les toilettes. Oh, il y a du monde ici, j'ai pas envie d'y aller. Oh, des soins, ça c'est cool. Et ça c'est des munitions, je pense. Ah, des munitions. Ok, il y a du monde qui arrive, là je suis pas fan. Ah, ça bosse dur les zombies. Encore des toilettes. Votre obsession avec les toilettes. De l'essence. Cool le kung fu en jeu. Ouf, le monde. Ok, on a fait un peu le ménage. Ça fait pas le frigo. Merde, tu peux plus attaquer toi. Ouais, 3 de bouffe. Rentable. Et là, c'est l'heure de se casser. Voilà, laissez-nous passer. On va se casser d'ici. Ok, trouver un peu de tout. La voiture est vraiment pas en bon état. Tout le monde a sa vie, c'est une bonne nouvelle. Envoyer à Ken looter. Oh. Donc Akan a décidé de quitter l'équipe. C'est bon, Akan, c'est... Il n'y a pas trop l'esprit de l'équipe dans ce... dans ce run. Il meurt au goût, il essaie de réparer la voiture. Non, la voiture ne marche plus. On se fait croquer dans tous les sens. Non, ça sent pas bon, ça. Faire de la bouffe. On n'a plus de quoi se soigner. Et visiblement, il y avait un trou dans le sac à dos de Dean Morgul, et on a donc perdu quasiment toutes nos munitions et de la bouffe. Ok, vas-y, on va essayer d'y aller. La bonne nouvelle, c'est que la voiture est juste là. Ah. Où sont les clés? Évidemment que les clés n'étaient pas sur la bagnole. C'est vrai que pour perdre tout ça, ça devait pas être un petit trou, quoi. Le sac devait être littéralement déchirant en deux. Récupérer la bouffe. Ouais, mais fait... Attaque à gauche quand je t'ai dit attaquer à gauche. Là. J'ai de la bouffe qui est assez derrière. Là. Ok, commence à fatiguer. Où sont les clés? Que les toilettes, hein. Ils aiment bien les toilettes dans le jeu. Vous dire que les clés sont dans les toilettes? Non. Il y a que dalle. Donc, très beau kung fu, tu les one shot là.
Ça m'embête d'abandonner un de bouffe quand même. Hein. Voilà. Il y avait une porte à gauche que j'ai pas visitée. Putain. Quelqu'un qui a récupéré le shotgun derrière, il fait un gros ménage là. Le problème du shotgun, c'est que ça fait du bruit. Et bien Sengasub avec son shotgun. J'ai pas trouvé de clé encore. Hein. Oh, il fait nuit, j'aime pas ça. Pas trouvé les clés. Hein. Je pense qu'on va se casser parce que là je vois plus rien. Ouais, à pied ça va être compliqué. Il y a à trouver un van qui n'est pas réparable malheureusement. Des bandits qui nous demandent 9 de bouffe, donc on va dire non. On a perdu les 2/3 de notre vie. Oh putain. Et malheureusement, il va falloir affronter encore des zombies. Ils sont irrités. Donc on a trouvé une bagnole. Le problème va être de trouver les clés une fois de plus. La cabane en bois comme ça là. Oui, les clés sont là, mais prends les clés, prends les clés, prends les clés. Ok, cette fois c'est la fin de chez fin. Et j'ai bien noté que j'étais mort. Pourquoi elle a pas pris les clés? Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ça va faire pas loin d'une heure. Je suis sur Death Road to Canada. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce petit jeu débile. Toujours aussi fun. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a eu des petites nouveautés hein, depuis que j'ai échoué la dernière fois. Visiblement, il y a des espèces de zombie points à dépenser. Ils ont rajouté des événements. Il y a plusieurs modes de jeu qui existent maintenant. Avant, il y avait juste tu pouvais juste choisir de jouer en mode random ou de choisir de jouer avec tes personnages pré-créés, pas que tu avais créé. Mais visiblement, il y a l'air d'avoir... Je sais pas s'il y avait tous ces modes-là. Je suis pas sûr, je me souviens pas qu'il y en avait autant, en tout cas. Enfin bref, c'était Death Road to Canada, c'était rigolo. Tout le monde est mort dans l'atroce souffrance, mais on aura essayé. Donc je vais quitter le jeu, lever l'overlay, et on va voir sur quoi on va continuer. A tout de suite.